La mère de Miyu, Miku. Alors Miku qui est. C'est ouf ça, cette histoire d'ailleurs. Miku qui est le personnage du premier du premier projet Zéro et du troisième. C'est la mère de Miyu dans l'histoire. Donc ça se passe, je sais pas, 15 ans après quoi. 15 ans après le premier. Plus. Peut-être une vingtaine d'années après. Miku est sur le mont Ikami. Persuadé de cela, Miyu prend la caméra obscura dans la chambre de Yuri pendant qu'elle dort. Ah, elle se fait pas chier. Bon, ça va, c'est la caméra obscura de Yuri, donc on va pouvoir booster. Non, je disais, Real Chris Raider, que en fait, la série des Projets Zéro, malheureusement, il y a l'épisode 4, parce que ça c'est le cinquième, malheureusement, l'épisode 4 n'est pas sorti du Japon. Et ça, c'est au moment où Nintendo a repris la licence, enfin l'exclusivité de la licence avec Tecmo. Ils nous l'ont bien mis dans le cul parce qu'ils ne l'ont pas sorti en dehors du Japon, alors que les trois premiers avaient fait un succès quand même non anodin en Occident. Et du coup, ils n'ont pas fait l'effort de le sortir, ils n'ont pris aucun risque. Et heureusement, il y a des fans qui l'ont traduit le jeu et qui ont mis carrément un patch sur la Wii. Pour permettre aux gens d'y jouer quoi, en français. L'enfant de l'ombre. Tu vois pas ça sur tous les jeux japonais, hein. Le traduire directement du japonais au français et de patcher, de flasher la console, faire des trucs comme ça pour juste pouvoir y jouer en fait. Après avoir ramené Yuri du lac des défunts, Miyu reste un moment à la boutique d'antiquité, convaincu que sa mère Miku Inasaki se trouve quelque part sur le mont Ikami. Miyu sait que le seul moyen de la retrouver est de suivre son nom. Pour ce faire, elle a besoin de l'aide de la caméra obscura de Yuri. Et oui. Alors, j'ai vu la trace de mer disparaître dans le cimetière. Je pourrais peut-être trouver quelque chose si je l'examine avec la caméra obscura. Je me demande si elle me laissera l'emprunter encore une fois. Et bah, si tu lui prends dans son sommeil. Enfin, on va voir comment ça se déroule, mais. Je pense que ça sert à rien de fouiller pour l'instant. Hop. Ah, donc du coup là j'ai pas la caméra. Ouais, en effet. L'appareil photo devrait être dans la chambre de Yuri. Ouais, je sais, c'est à l'étage. On va aller voir la chambre de Yuri. Hop! Ça, cette maison elle est gigantesque quand même. C'est un truc de fou. Tiens, on va checker quand même la pièce d'Hisoka. Ah! J'ai bien fait de fouiller. Un petit cahier était laissé sur le bureau, on dirait le journal de Mademoiselle Kurosawa. Journal d'Hisoka. Je n'ai jamais su pourquoi Akari avait disparu. Je suppose qu'elle a emporté ce secret dans la tombe. Cela peut paraître insignifiant pour les autres, mais ça devait être important pour elle. Peut-être que les gens ne peuvent vraiment pas se comprendre. J'ai réussi à sauver Yuri, mais je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Quand je la touche, je ne vois rien. Il y avait peut-être aucune raison, et ça m'inquiète, comme regarder dans les ténèbres. Yuri partira en jouant. Ce n'est pas grave si je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave si nous ne nous comprenons pas vraiment. Tant qu'elle est dans mes bras, Yuri sera là avec moi. Ok. Un peu bizarre, mais. Peut-être qu'Hisoka se prend pour la mère de Yuri. Shadow of the Tomb Raider, ouais. Il est génial, je te recommande. Par contre, il est pas hyper long. 15 heures, c'est long quand même, hein. Après, c'est vrai que si tu compares avec les anciens Tomb Raider sur PlayStation 1, qui minimum durent 20 heures,
de jeu. Et après, enfin 20 heures dans le jeu, ce qui signifie 40 heures en temps réel. Hein. Vu qu'en général, tu te fais saucer. Donc, le jeu est pas gratuit en général. Ah oui, il faut prendre la caméra, oui. Alors, quand elle dit peut-être que je pourrais lui demander de lui emprunter, elle lui vole dans son pendant qu'elle dort. C'est un concept intéressant. Est-ce que ça date de la disparition de ma mère? Pourquoi Yuri aurait-elle ça? Ah oui, elle a piqué les dossiers de d'Hisoka. Miku Inasaki, client. Sachi Iyama, une amie. Photo personnelle. Disparu à la recherche de son frère, lui aussi disparu. Mais a été retrouvé. Mère d'un enfant, père inconnu. Disparu à nouveau 3 ans plus tard. Photographie. Enfin, photographe. Le client est la tutrice de sa fille. Résultat, recherche abandonnée. Elle a tenté de déchiffrer les ombres plusieurs fois, mais les traces étaient trop faibles pour être suivies. Ouais, celui-là, je l'avais lu. Donc en fait, Miku a disparu. C'est sa photo, si j'utilise l'appareil photo pour suivre sa trace, je peux le faire. Je peux la retrouver. Ok. 私の家にも射影機の箱だけが残されていた。C'est vrai, hein? Sa mère, elle en avait un. Elle avait une caméra. 射影機に触れたから。Il y a un cahier de bureau, on dirait le journal de Yuri. Quand me suis-je rendu compte que je pouvais voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir? Quand me suis-je rendu compte que je pouvais entendre les voix des morts? Ils me disent des choses, ils me murmurent à l'oreille les mêmes choses, encore et toujours. Je dois me couvrir les oreilles pour ne pas les écouter par accident. Si je les écoute, je saurai. Et si je sais, je l'accepterai. Tant, tant de voix, et elles me parlent toutes. Cela n'a aucun sens. Si seulement je pouvais empêcher de me murmurer à l'oreille. Photo! Attends, peut-être pas utiliser du film 14. Je fais pas chier, je prends les gens pendant qu'ils dorment. En photo. Je leur vole leur âme. Après, il faut se dire que les derniers Tomb Raider, c'est pas des Tomb Raider, hein, c'est des jeux modernes, hein, qui n'ont rien à voir avec les anciens Tomb Raider, hein, en termes de narration et de construction. Le gameplay n'a rien à voir. Moi, je regrette, hein, j'ai commencé, j'ai fait quoi, les deux tiers, voire les trois quarts du reboot de Tomb Raider. Quoi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça pue. J'ai fait les trois quarts du reboot Tomb Raider 2013. Tous les autres, je les ai faits. Ceux d'avant. Et franchement, je suis un peu deg qu'ils aient changé de direction. J'aurais kiffé qu'ils continuent dans la direction qu'ils avaient fait avec les jeux PlayStation 2, c'est-à-dire. Et PS3, c'est-à-dire vraiment. Une espèce de. Donc ça garde l'aspect Tomb Raider puzzle, puzzle platformer, et en même temps un aspect un peu plus moderne. Mais bon, mais je préfère les anciens quoi. Mais du coup, tu vois, comme c'est un jeu d'action. Enfin voilà quoi, c'est forcément moins long. Forcément moins long parce que. Ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Parce que du coup. Tu n'as pas des phases d'observation. T'as moins de phases d'observation en fait. C'est toujours Eidos, mais c'est Crystal Dynamics qui ont racheté Core Dynamics. Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont regretté ce rachat. Mais.
Même si Crystal Dynamics ça fait de bonnes choses. Hein. Dans l'ère PlayStation 1, PS2. Hein. C'est pas des bons encore, ces mecs-là. Oui. Ben on se casse. Elle est motivée là. Miu est motivée. À retrouver sa maman. Alors pour le coup, je suis quand même rassuré que sa mère ne soit pas la dame du lac et que ce soit bien Miku. Réflexe. Hop. Alors par contre, attends. 197 000, pas mal. Non, c'est pas les objets que je voulais faire. C'était surtout la caméra. Optimisation, puissance. Voilà. Niveau max. Oh non, je vais être encore mouillé là, avec leurs conneries. Vu qu'il pleut. Ouais, du coup, tu vois, Chris Rider, les jeux modernes de Tomb Raider. J'ai les deux premiers là du reboot, de la trilogie du reboot, mais je les ai pas faits quoi, enfin je les ai pas finis quoi. Donc peut-être quand je les aurai finis, je passerai au troisième. Et de toute façon, tu vois, c'est ça qui est embêtant, c'est que le reboot, au bout de 30 secondes, le jeu se ridiculise tout seul. Parce qu'au bout de 30 secondes de jeu, Lara, elle se prend une barre de fer en plein dans le bide et elle survit, tu vois. Complètement débile. Tout ça parce qu'ils voulaient faire du sensationnel. Ça décrédibilise totalement le personnage, quoi. Et l'histoire, quoi. Tout ça pour montrer qu'elle s'en prend plein la gueule. C'est complètement con. Ah, je peux pas en transporter davantage. Ah, je suis à fond, non? Ah, vache. Ah ouais, mais c'est abusé. Sinon, je prends 4 clichés de merde. Hein. Attends, je vais prendre 4 clichés. Je reviens aller chercher les photos. Ah, merde, je vais te mouiller. De toute façon, j'aurais été mouillé. Donc, on s'en fout. Ah bah voilà, tiens, vas-y. Parfait. Pas. Bam. Photo. Là pour le coup là je vais pouvoir aller chercher mes photos, mes clichés. Nice. Ouais, ça casse l'origine de Lara Croft. En plus, ils ont refait l'histoire de Lara. Alors qu'à l'origine, c'était une femme mariée qui était devenue... Ça, je savais pas qu'elle était mariée. Qu'elle était devenue veuve et qu'elle avait hérité de son mari mort qui lui a donné le manoir. Ah, moi, je pensais que c'était la famille Croft, tu vois. Ah, mais c'est quoi cette histoire, Real Crispy Raider? T'as l'impression que dans l'histoire, c'est plutôt la famille Croft, en fait. Elle a un manoir et tout ça, son nom. Donc elle s'appelait pas Lara Croft, c'est pas son nom elle. Shadow of the Tomb Raider est largement mieux que les
pairs que les précédents. Reboot, ouais. Après, je peux pas trop te dire pour éviter le spoil, mais ça explique des trucs surtout à la fin du jeu. J'aime bien la trilogie aussi de la PS2. Enfin, j'aime bien. Le 6, il est dégueulasse, hein, mais... Putain, c'est vraiment abusé. L'épisode 6 se passe à Paris, et pourtant, ils ont fait de la merde. Putain. Si ce jeu avait été fini, ça aurait été génial. Surtout pour nous, les Français, on aurait grave kiffé, quoi. Alors, est-ce qu'elle est partie dans l'hôtel de la transition? Non. Elle est allée sur la montagne. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où je vais peut-être jamais les découvrir. Genre comme le temple en bas, là. Faut que je regarde la carte générale de la montagne pour voir. Pour voir un peu comment c'est composé en fait. Comment c'est découpé. Ah, ça va être chiant là, vu que je suis mouillé. Ça va. Allez, un titre 0, ça c'est gratuit. En fait, je l'utilise jamais, du coup ça me fait du score à la fin. Bon, c'est pas une stratégie de ouf, mais c'est pas mal. Vu que tu gagnes du score à la fin d'un chapitre quand t'as pas utilisé les objets. Ça te décompte tout ce que t'as pas utilisé. Les mettre dans le livret qu'elle a hérité, il faudrait que je regarde. C'est intéressant parce que je pensais que c'était la famille Croft, moi, depuis le début. Vu qu'elle a un manoir et tout ça à son nom, tu vois, du coup c'est bizarre. Comme tu dis, si elle avait un mari et que son mari était riche, tu vois, et que c'est écrit Croft après en grand sur le truc, quoi, sur son manoir, c'est bizarre. Ça voudrait dire soit elle a pris le nom de son mari même quand il est mort, même après sa mort, pour l'héritage, ou qu'elle s'appelait pas Croft. C'est deux solutions, je trouve, je pense. Un peu bizarre. Je crois que je l'ai le premier. Ouais, je l'ai le premier. Tu vas voir le manuel, faudrait que je regarde. Ce qu'il raconte dedans. Sur le background. Ah, vous êtes chiant, hein. Vous commencez à me faire chier, là. Du coup, j'arrive pas à les battre. Non, je voulais faire aussi de caméra, mais... Merde! Putain, déjà? Thank you.
On fait une petite photo de famille là à la fin là. On n'a pas compris là. Elle hérite d'un riche héritier, elle avait 21 ans quand elle s'était mariée. Ouais, c'est marrant. Je sais pas, je vais regarder. Ouais, je vais regarder, c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce que tu sais, bon, faut se dire qu'à l'époque, hein, même quand t'avais des jeux et que voilà, tu lisais rarement le mode d'emploi hein, quand t'étais jeune. Et c'est vrai que je me suis jamais dit je vais lire les modes d'emploi des Tomb Raider. Par la suite, pour savoir un peu l'histoire. Ça dépend des jeux, parce qu'il y a des jeux, c'est vrai que j'aimais bien lire ceux des Silent Hill ou des trucs comme ça, parce que du coup il y avait des personnages. C'est ça que j'aimais beaucoup, c'est que t'avais des personnages que t'allais rencontrer, et t'avais leurs fiches, tu vois. Alors ça spoilait un peu, mais c'était intéressant, parce que t'avais l'âge, la description de la personne, son passé et tout. Mais il n'y avait pas tous les jeux qui faisaient ça. Alors là, du coup, il va falloir suivre le passage qu'a pris sa mère. Ouais, je vais rester avec mon film 14 parce que ça sent quand même des embrouilles. Déjà que je suis mouillé. Raté! Ouais, Konami faisait ça, c'était cool. Je sais pas s'ils faisaient ça pour MGS, sûrement aussi. Et du coup, il y a que quelques rares jeux de ce genre que je regardais des jeunes emplois, quoi. Mais c'était bien foutu. On commence à me faire chier là, hein. Et vos conneries là. Attends, il m'a touché. Ils m'ont touché en même temps. Ah, j'ai dû prendre une boule de feu. Ah bah tiens, merde. Attends, je me fais arnaquer là. Photo de famille, allez, retourne en enfer. Putain, j'ai mon détecteur qui s'affolait dans tous les sens, non? Tous les personnages dans Lara Croft restent assez mystérieux. Bah, c'est vrai que ils sont pas genre quand ils t'accostent, ils ont pas de dire ah oui, je viens du tel endroit, j'ai vécu ça. C'est vrai que Tomb Raider c'était plus un peu plus. Léger là-dessus, c'était un peu plus. Tu suivais quelques cinématiques. Par exemple, dans le premier Tomb Raider, tu défonces le débile là, américain là. Dès le début là. Et c'est marrant parce que c'est lui qui t'apporte la mission, mais en fait, tu le défonces après. Ah, d'ailleurs, attends, avant de la suivre, je vais peut-être checker au moins cette partie du cimetière pour voir si je trouve des objets. Des goodies. On vit pour ça, pour les goodies. Hop! Bah, s'il te plaît, la pendule, viens pas me faire chier. J'ai pas de bonne humeur. Ah tiens, je suis plus mouillé à 100%, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un bug. Il y avait un bug. Bon. C'est dommage, j'y ai cru l'espace d'un instant. J'ai vu un peu comme ça à l'arrache là. Regarde si je trouve des objets. Nice. C'est comme dans Tomb Raider à la recherche des goodies. C'est la base. Ça va, je suis pas trop agressé hein, alors que je suis complètement mis. Hein. Le jeu il bug peut-être un petit peu là. Les RNG là, du fantôme, elle bug. Ça fait bugger le jeu. Je suis en mode pacifiste. Merde! Je dis ça et.
Et un connard de reliquaire. Ah, il m'a arnaqué la plongée. Franchement, c'est abusé. Faut des réflexes d'aiglon japonais pour toucher le reliquaire quand il se penche sur toi. Ouais, c'est embauché par un atlas. Et c'est lui qui apporte le message. L'américain. Ça me fait marrer parce que un niveau plus loin et quelle défense en fait à la fin du niveau. Ta mère! Attends, j'ai augmenté hein, le chargement des fichiers. C'est pas suffisant. Et j'ai appuyé! Ah mon dieu. Quand je l'ai fait ici, t'embrouille. Mais je... C'est pas possible, quoi. Mais rends-moi mes... Rends-moi mes points de vie. Ouais, ça fait genre bon, on vous engage mais on vous élimine dès que vous avez dès que vous avez trouvé l'objet, on vous élimine. Tu fais ok, d'accord. Ça crée pas des liens de confiance quoi après pour les missions suivantes. C'est le genre de personne à te filer un job, mais après c'est votre faute. Ah, il y a des objets là. Eh. Par contre, le deuxième, je suis pas sûr que je puisse. Hop, 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 là, là. Arrêtez de m'ambiancer. Oh là là. Putain, je martèle B, hein. Je martèle B pour pas mourir direct. Hein. Il a pris cher là. Non. Oh, j'ai pris cher. J'ai pris très cher là pour le coup. Dernier jeu de Tomb Raider, il avait l'air très différent des deux premiers reboots de demo. Ça avait l'air d'être une histoire un peu... d'aventure, tu sais. Comme tu verrais dans un film. Allez, rends-moi les pubs. Ça marche pas ?
me fait arnaquer dans le jeu là pour le retour des pays. Attends, y'en a un qui est revenu à la vie là. Je bourre. Oh, j'ai tout pris dans la gueule, par contre. Putain, mais je suis obligé de lui faire un cliché fatal chargé pour le calmer là. Ils font trop mal, hein. Ah non non, tu rallumes pas sa flamme hein, tu fais pas chier hein. Voilà, cassez-vous. Pas emmerder là hein. Pas emmerder 150 ans les mecs hein. Par contre je vais pas aller par là. J'essaie de choper l'objet qui était de l'autre côté. Pas bien là hein. Je vais pas me faire saucer dans tous les sens. Oh non mais non, bah allez le faire foutre, j'en ai marre. À un moment donné. Ah merde. J'ai un cul de sac. C'est chaud là. Dans les tombes là avec l'eau en fait t'es ralenti dans les mouvements. C'est vachement chaud. Là. What? En plus je me prends les boules de feu dans le cul là. C'est génial. L'enfer, l'enfer. C'est l'enfer. Ah là, ça devient l'enfer là. Pour de vrai. S'y fait relever. Merde. J'aurais utilisé une braise. Je le vois pas là, il est. T'as mieux de te cacher dans la forêt. Je
Non! Oh non, tu as pas mal. C'est pas mal à maquiller. Normalement, ils sont morts là. Par là? Ouais. Éprouvant, hein. C'est cimetière. Ah merde, je voulais pas aller là, mais... Ah, une pierre, viens voir, ça c'est cool. Je vais pas aller par là, mais j'y suis allé. Non, 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 non. Non, alors là je vous emmerde. Je me casse. Je me casse. J'en ai rien à foutre. Ça y est. Je me casse. Faut arrêter les conneries. Ce chemin était bloqué tout à l'heure. Merde, peut-être de l'autre côté. Eh oui. Vers la maison des unions. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la maison des mariés? Qui s'appelle l'union des maisons des unions? Peut-être ça. Nouveau lieu, attention. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je peux voir un truc au-dessus. Non, c'était vraiment. Un bout de papier par terre. Est-ce que c'est ma mère qui a laissé ça? Et j'ai été abandonné il y a 4 ans. Miyu est entrée dans ma vie. Et maintenant, je dois la laisser. Il ne me reste plus. Beaucoup de temps, je sens que la fin est proche. Tout le monde meurt seul, mais je ne veux pas être seul. J'ai découvert une chose que l'on appelle les noces spectrales. Ah. Donc elle savait qu'elle allait mourir à cause de la caméra obscura, mais... D'accord. Elle s'intéressait en fait plutôt à l'union entre les vivants et les morts. C'est intéressant. Ok. Alors je suppose qu'on va pouvoir prendre une braise pour arrêter d'être mouillé. Oui, j'ai l'impression qu'on arrive au même endroit. Ah! Shit. Trop tard. Ah oui, on arrive au même endroit, d'accord, ok. Alors, par contre, ce serait intéressant d'utiliser une braise. Comme ça, on n'est pas mouillé. Objectif gel. Un objectif qui fige le sujet photographié pour une durée déterminée. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Du coup, moi qui avais... Non, attends, je vais pas optimiser, je vais surtout regarder. Non. Caméra. Objectif. Je vais différer du coup, mettre le gel à la place. Prends une seconde photo, annule cet effet. Ah, ok. Pas mal quand même. Parce que le gel du coup, ça peut servir. C'est combien? 40. Ok. Ça peut être intéressant.
peut examiner les petites boîtes et de grandes urnes sous l'escalier. On dirait qu'elles sont remplies d'ustensiles pour le banquet. D'accord. Est-ce qu'on passe à l'étage? On va regarder, hein. On va déjà fouiller cette aile-là. On verra après. Ne jamais suivre là où on te là où on te montre d'aller. C'est important. Ah mais ça c'est Kazuya. Putain, il s'est fait les destroy. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il s'est fait dissoudre. Hein. Par les oh, putain de sa mère. Quand il crie. Il s'est fait dissoudre par les eaux obscures, je suppose. Les eaux sombres. Ah non merde! Putain, ah, ça c'est vachement dur à esquiver! Vous êtes sérieux? On voit rien avec la caméra! Ah les enfoirés! On voit rien, moi je peux même pas bouger la caméra pour voir si une main carré. Tout ça pour rien! Je suis deg. Ok. Ah merde, porte est verrouillée. Je t'ai passé par là la dernière fois, je suis pas sûr. Non. Yes. Ça c'est cool. De vieux katana ainsi que des boîtes contenant des sandales japonaises remplissent les étagères. Les boîtes ne semblent contenir que des vêtements masculins. Ouais, donc là c'est pour les hommes. C'est pour les mariés. Une petite poupée. Ça nous avait manqué les poupées. Film 61, c'est vraiment cool. J'en ai pas beaucoup. Type 0. Ok, alors. Ok, passe où? Attends, je suis où là? Je suis de l'autre côté. D'accord. Merde. Ah, je me suis fait avoir. Ah, je me suis fait avoir parce qu'il y a, un truc qui m'indique par là. Est-ce qu'il y aura un objet caché là par avant, là? Voilà. C'est dommage. Je vais me faire une petite game, Yuchi. On peut peut-être streamer. Je t'ai acheté des bonnes soirées, ouais. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je vais au moins finir ce chapitre-là, et si je suis chaud, je vais continuer. Sachant que les chapitres sont variables entre 1 à 2 heures. Donc déjà, je pense que je vais stream encore 1 heure minimum. Attends, mais il passait où ce con? Il est parti par là. Attends. Il y a deux pièces, hein, c'est ça? C'est deux pièces différentes. Ouais. Ça marche, à plus, peut-être à tout à l'heure. Alors, photographie un fantôme, ah, je sais pas du tout ça. Dans un endroit où il y a la mariée en fait. Ah, alors, attends, c'est pas ici. Je sais plus où c'était, mais.
perdu. On peut continuer par là, ouais. Là. Pièce de kimono, ça? Ah bah c'est peut-être derrière, justement. Non? D'ailleurs. Ah, on peut regarder? Ah. Ah, c'est sa mère. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il se passe des trucs chelous là. Je maîtrise pas tout là. Ok, ouais. J'ai pas pu la photographier. Je reviens là. Comment je vais faire le tour? Il y a le paravent là. On peut pas virer le paravent, non? Parce qu'il y a une ouverture derrière. Ah! Ça sent le combat. Eh oui, je t'ai congelé. Non, j'appuie. Ah ! Au secours. Ça va, il me reste 4 braises, mais je peux pas me permettre de me faire toucher par ça. Hein. Tiens, d'ailleurs, attends, vu qu'elle m'a touché. On enclenche. Ah, je peux pas? Attends. Sans le vouloir, je crois que j'ai esquivé son coup, je me suis éloigné. Je crois que j'ai eu de la chance. Hein. Merde, mais je suis bloqué par des trucs sérieux ça. Hein. Et ouais, fallait pas venir me chercher. Oula. Elle est pas bien, elle fait un malaise. Est-ce que le paravent va s'enlever? Non. Ah. Attends, quoi? Non, peut pas. Attends, il s'est passé un truc, mais... J'ai pas compris. Je crois qu'il a essayé de me montrer quelque chose. Il a pas réussi.
dégueulasse. Putain, elle est partie vite quand même. Cool, une braise. Parce que là c'était un peu abusé. Hein. En train de tout claquer. Ça sent mauvais. Ah, elle pourrait être dans cette boîte, sa mère. Jamais. Putain, je pouvais pas sortir. Elle m'a fait trop mal. C'est abusé. Prends-toi ça dans ta gueule. Merde, qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a envoyé des boules de merde là. Mais what? Oh là là, c'est le bordel. J'ai pas mal joué parce qu'à la fin je me décalais pour avoir les boules plus sa tête. En cliché fatal, ça l'a bien calmé là.
Un livre avec une couverture blanche. Est-ce que cette vieille femme a écrit ça? Journal blanc. Les noces spectrales permettent aux piliers de persister plus longtemps. Les prêtresses qui deviennent des piliers doivent être liées à quelqu'un. Aussi triste que cela puisse être, aucune prêtresse ne peut endurer seule la douleur du reliquat. Nous avons amené beaucoup d'hommes pour épouser Osée, mais ils ont tous changé d'avis et les unions ont échoué. J'ai l'impression qu'elle attend que Monsieur Azo revienne à elle. Mais même si Azo venait, rien ne garantit qu'elle serait celle qui choisirait. Ils se sont peut-être fait une promesse, mais nous savons bien que les étrangers ont le cœur volage. Oui, bon, en même temps, il a peut-être pas envie de mourir. On apprend souffrance. Photo. Ah, du coup c'est ouf parce que tu peux quand même sauver les gens vu qu'ils sont gardés immortels de manière immortelle. Plus ils sont puissants, plus ils sont... Ils peuvent résister aux assauts. Quand tu écoutes, tu me gênes un peu là. C'est efficace. Hein.
Ce coup, il est très efficace. Très très efficace. Le coup chargé, c'est génial. Hein. Depuis que je l'ai là, je revis. Cassos. Taper toutes les prêtresses du monde, non? Quoi, il y en a plusieurs? Ah non, mais il y a que... Mais non, mais vous savez? Là, elles sont en train d'emmerder ma mère, là, eh oh! Lâche ma mère, là! Les deux là? Non, je crois que j'ai eu que 4 milliards en fait. Ok. Pour le coup, je me suis bien débrouillé. En fait, Miku, elle m'a servi d'appât. Du coup, ça s'est bien basé. Je crois qu'on entre par là. Cassos, cassos. Je suis en train de monter là, c'est pas une bonne idée en fait. Toujours fermé la porte du fond. Ah, c'est ouvert maintenant? C'était fermé ça. Et que c'est un endroit où il y a les mariés. Ah! On a le bouquin de Kazuya, non? Ah non, c'est une note de reine. Ah putain, que... Ah, il a fait tomber ses notes. J'ai encore fait ce rêve. Celui où j'abats le couteau sur une fille lors d'une cérémonie. Avant que mon couteau ne s'abatte sur elle, nos regards se croisent. À cet instant, je ressens une peur panique, comme si elle avait vu dans mon âme. Ensuite, la fille tombe dans une boîte. Et d'ailleurs, ouais, c'est la fille, en fait, qui disait qu'elle devait mourir avant ses 7 ans, parce que sinon elle deviendrait un être humain. Ce qui veut dire qu'elle vient pas... Enfin, c'est pas un être humain au début, je sais pas ce que c'est que ce bordel. Est-ce que ça s'est réellement produit? Et si c'était réel, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille? Qu'est-il arrivé à cette fille? Quand je me suis réveillé, mon cœur battait la chamade. Je suis assailli d'un regret, d'une douleur et d'une tristesse écrasante. La cérémonie de dater de cet été-là, quand j'étais petit, et que j'étais resté chez les Azo sur le mont Kagiroi. Je jouais partout avec les enfants de la région, même sur le terrain de l'hôtel de Kagiroi, jusqu'au coucher du soleil. Je crois que c'est là que tout a commencé. Ça fait un moment que je songe à retourner sur le mont Kagiroi, mais j'ai peur de découvrir la vérité sur ce rêve. Il paraît que tout a été démoli. Il ne reste peut-être rien pour me dire s'il s'agit d'un rêve. Ok. Cassos. Allez, Miku!
crois que je le sens mal là. On est presque sorti. J'ai pas fouillé par ici. Elle est où Miku là? Et ramène-toi là! On n'est pas sorti de l'auberge encore. Hein. Surtout si je dois rentrer à pattes là. Si je dois refaire le. Ah! Là, elle va plus lâcher sa mère. Elle va lui mettre une corde. Miu trouve enfin Miku sur le mont Ikami. Où elle avait pris part à des noces spectrales dans la maison des unions. Miku explique son envie désespérée d'être enfin réunie avec son bien-aimé, demandant le pardon de Miu. Miu emmena sa mère loin de la montagne, retournant à la boutique d'antiquité. Miu et Miku s'allongèrent côte à côte et s'endormirent profondément. Allez, rang S. Bim. Putain, maintenant j'ai que des rangs S, c'est bizarre. Faudrait que je me renseigne sur qu'est-ce qui détermine que t'as un rang S ou pas. Sauvé par Miu, Yuri décide de continuer à chercher Hisoka. Dans la brume du lac des défunts se trouve un immense torii qui mène à l'hôtel sur l'eau. Ah oui, et ça, ça pue. Tiens, d'ailleurs, d'ici on peut pas. Tenir accessoire, ouais, mais c'est que les goodies. La traversée, aïe aïe aïe, je le sens mal. Yuri Kozukata. Est-ce qu'elle va pas lâcher l'affaire hein. Elle veut sauver son chef là. Et continue un peu, s'il te plaît, je dors pas encore. T'es mad, il est en fufu. Ok. Yuri songe à ce qu'elle a vu au lac des défunts, l'ombre d'Hisoka disparaissant dans un épais voile brumeux. Elle repense au grand portail Tori qui se dresse sur le lac, marquant l'entrée de l'hôtel sur l'eau. Hisoka serait-elle dans cet hôtel? Yuri sait-elle. Enfin, sait qu'elle doit trouver un chemin pour y accéder. Et par explorer l'hôtel de la transition. Et c'est reparti. Alors là, ça va être chaud. Hein. Si on doit encore. Ah oui, il y a la barque. C'est vrai qu'il y a une barque. Peut-être qu'on peut libérer un passage pour. Pour aller. Vers le lac. Ah! On va fouiller sa chambre encore une fois. Peut-être trouver des trucs. Ah, ça va, j'ai la caméra, elle me l'a rendu. Ah oui, est-ce que j'ai assez pour faire une augmentation? Optimisation. 150 000, t'as, j'ai presque les 154 000. J'ai presque assez pour le dernier niveau de chargement. Fait passer la durée de l'effet de 10 à 15 secondes. Enfin, déjà que 10 secondes c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup un gel de fantôme de 10 secondes, je trouve. Après c'est peut-être pour te permettre de charger en fait. Ouais, ça peut être une petite combinaison de chargement après derrière. Pour calmer. Attends, on va.
Ouais, je vais fouiller un peu. Bon, ici, il n'y a personne pour l'instant. Attends, il y a peut-être quelque chose quand même. Je me prends la porte dans la gueule. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Non, non, rien. C'est marrant parce que de temps en temps ça brille au niveau de la poignée, c'est trop bizarre. Il y a comme ici un petit halo. Ah! Et vous arrêtez d'envahir mon espace vital là? C'est pas possible ça. Laissez-moi tranquille. Et sa mère sont endormies, je n'ai aucune raison de la vie. Il faut que j'aille sauver Hisoka. Alors là, pour le coup, si elle y arrive, ce serait balèze. Qu'est-ce qu'on regarde d'ici? Ah. Ouais, je vais jamais regarder cet angle de vue. Ok. Non, on va continuer par là. Hop! On va dans la chambre d'Hisoka. Un vieux texte qui parle de l'hôtel sur l'eau a été laissé sur une bibliothèque. La tradition orale nous parle de l'hôtel sur l'eau. Il est dit qu'il est la source de la vie. Et la demeure du dieu du soleil, on raconte que les personnes appelées par le cri de la montagne passent par l'autel pour rejoindre les dieux. Des histoires parlent de gens qui offrent leurs pensées et leurs âmes pour se libérer de leurs souffrances. L'autel figure dans plusieurs contes populaires, mais malheureusement, aucune trace du bâtiment lui-même n'a jamais été trouvée. Un mystère subsiste. Où donc se trouve cet autel? Se pourrait-il qu'il soit vraiment situé sur une étendue d'eau? Comme son nom le suggère, le lac des défunts au sommet est toujours recouvert de brume. On peut voir la silhouette d'un portail tori. Lorsque le soleil se couche, il s'agit de l'autel de l'eau sur l'eau. Il est très probable que seuls certains individus qui en avaient reçu la permission aient été autorisés à en s'en approcher par bateau. Ah, il va falloir que je gagne l'autorisation d'y aller. Ok, il est tombé près du lit. Le journal d'Hisoka. Tout le monde a des secrets. Des secrets qu'on ne dit à personne. Des secrets qui ne peuvent être partagés. Lorsque les gens disparaissent, ils emportent ces secrets avec eux. Peut-être est-ce le poids de ces secrets qui les pousse à disparaître? Ils doivent vouloir échapper ce lourd fardeau. Un jour, Yuri connaîtra peut-être mes secrets, mes cicatrices. Peut-être que cela nous permettra de nous ouvrir l'une à l'autre. Je pourrais peut-être faire ça, faire face à ça, sans détour, et prendre un nouveau départ. Et on se casse. Bah, Miu, elle a bougé? Ah,
Regarde-moi au moins quand tu me parles. Bah j'y vais quand même. Peut-être des choix à faire là, non? Non, je sais pas. Je pense pas encore, hein, mais sûrement le dernier chapitre. Comme me disait Moon, sûrement le dernier chapitre. Il y aura des choix à faire. Hisoka se trouve dans l'hôtel sur l'eau, de l'autre côté du lac. Il y avait une barque à l'hôtel de la transition, je peux utiliser pour traverser. Yes. On va fouiller un petit peu. Ah, et donc du coup maintenant, enfin là pour l'instant c'est on va tout droit. Voilà, faut vous voir. Ok, bon ça va être chaud, hein. L'hôtel de la transition c'est chaud. Hein. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai failli me retrouver complètement à poil au niveau des films. J'ai eu une petite barque ici quand j'ai trouvé Miyu. Et après 13 était à bord, ce doit être la barque qu'elles utilisaient pour atteindre l'autre hôtel. C'est qui part, hein? C'est pas là pour niaiser. C'est marrant parce que cet endroit, autant t'es rassuré, parce qu'il y a des. Voilà, ben, j'ai des lampes un peu partout. Le focal là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je les vois pas. Pratique rituelle du mont Ikami ont encore cours. Si Hisoka est dans l'hôtel sur l'eau, ça signifie qu'elle est devenue un pilier. Ouais, ça pue.
Alors par contre, je comprends pas là. Pourquoi j'ai pas le focus avec elle? Il y a que Mio qui peut l'utiliser? Mais il est dégueulasse ce jeu. J'ai pas l'évolution. Attends. C'est dégueulasse! Je veux jouer avec Mio alors. Allez hop, chargeur à fond, niveau max. Voilà. Après c'est quoi c'est absorption? De toute façon il faudrait que j'aille mettre un niveau dans chaque après. L'hôtel de la transition, on dirait qu'il parle des raisons de sa construction. L'hôtel de la transition abrite trois piliers qui protègent l'eau pure de la montagne. Un pour les cercueils, ah je vois c'est, un pour la flamme interdite, un pour l'eau. L'eau traverse l'hôtel purifié par la flamme. Pour continuer, il faut recevoir la permission de deux prêtresses avec les deux clés. Recevoir la bénédiction des prêtresses sur l'eau. D'accord. Commencer par là. Alors, je sais pas si tout est ouvert. Je sais plus trop. Comment c'était en dessous? Ah oui, ici, je l'avais pas ouvert. Une grande serrure dedans. Ouais. C'est peut-être maintenant qu'on va l'ouvrir. Ça fait vraiment prison, hein, cette espèce de porte en bois. C'est vrai que je me souviens qu'il y avait plusieurs portes fermées avec une clé et canon de fleurs. Donc c'est sûrement ça en fait. Allez hop, on y va direct. Maintenant que ça s'était déverrouillé. Passer direct dans ce couloir. Ça fait bizarre de passer dans ce couloir direct. Que j'avais fait tout le tour dans le chapitre d'avant. Est-ce qu'il y en a ici? Ah, ici, il y a des noyés. Tu sens le petit malaise parce qu'il n'y a plus de musique d'un seul coup. Ici, ah oui, en face il y a justement les trucs de prêtresse. Je sais pas s'il est ouvert. C'est toujours ouvert. On va checker ça. Ouais, il y a toujours la lumière. Ok. Est-ce qu'une des prêtresses serait pas ici? Il y a encore la boîte. J'ai pas l'impression. Hein. De toute façon, il y a les cercueils. Les cercueils, ça c'est facile à trouver. Après le bateau, je vois où il est aussi. Ça c'est pas trop compliqué. Alors, ici. À gauche, c'est pour aller justement derrière. Tiens, on va checker ça, tiens.
va checker ça vite fait. Je sais pas si c'est ouvert entre temps. Ah! Ah, ça c'est intéressant parce que je crois que je pouvais pas l'ouvrir avant. Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est quoi cet hôtel? C'est trop bizarre. D'accord, donc pour l'instant j'ai rien à y faire, mais... Pas une petite remarque, Yuri, là-dessus C'est un hôtel, c'est une statue trop bizarre, quoi. Enfin une statue trop bizarre. Il y a quelqu'un qui a la tête dans ses bras. C'est trop bizarre. En plus c'est vachement bien caché. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte le plan, non? Rien. Sous ce... Putain, c'est bizarre. Cassos, peut-être qu'il faut faire un truc après. Mais pas pour l'instant ici. Alors, d'ici, je sais plus si on voit le bateau. Je crois que oui. Non. Ici, c'est juste le jardin dessus. Mais alors, attends, d'ici, non. Voilà. Non, voilà. Hop, putain de merde. Et là, c'est parti pour les noyers. Merde. Alors là c'était fermé je crois. Ah non, il dit juste que c'est fermé, d'accord. Ici c'est pas une des portes coincées par les fleurs. Là on peut pas. Non, on n'est pas au bon endroit. C'est juste de l'autre côté. Hein. On va faire le tour. Là c'est par les cercueils d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Je ne sais plus. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Il y a le passage sur le côté. Je sais plus où c'est. Ouais, c'est là en fait. Ouais. Donc t'as les cercueils en face déjà. Donc déjà par les cercueils, on peut y voir le bateau. Alors attention. Est-ce que je vais me faire ambiancer?
Arrête de te prendre des cercueils, quoi. Ça se passe bien pour l'instant. Ça va pas durer. Alors, comment j'ai ta permission? Comment ça marche? Ah! Livre blanc. Appartement une mariée. Alors, j'ai été choisi pour être le grand pilier. C'est un tel bonheur, pardon. C'est écrit comme ça, bonheur? C'est bizarre. Une fille d'un minuscule village qui devient le grand pilier. Les autres prêtresses pleuraient, elles ne voulaient pas s'arrêter, alors j'ai dû les consoler. En les butant! Je vais devenir le grand pilier. Ils m'ont donné le nom de Kurosawa. Kurosawa? À cause d'aujourd'hui, je serai Osé Kurosawa. Attends, mais ça n'a rien à voir avec Hisoka quand même. Elles ont le même nom de famille. Ah, fleur de camélia est gravée sur la queue. Yes. Ah! L'hôtel sur l'eau doit se trouver de l'autre côté de ce portail. D'accord. Au moins, il y a une clé déjà. Non! Méchante! Elle, c'est impossible de la voir en. Quand elle fait ça. Allez, ça c'est gratuit. J'ai même plus le temps. Attends, parce qu'il y a aussi par ici. Nice. Ok. Alors est-ce que ce serait cette porte là? Pas loin. T'as des reliquaires encore. Hein. Ils sont casse-couilles. Hein. Caméra, Furo, il me reste combien? 11 000. Okay. Pas assez. Je crois qu'ici c'était fermé. Yes. Ah, c'est un autre couloir, la vache. Putain, mais les mecs, ils ont construit dans la montagne, quoi. C'est de la folie. Ah, merde. Ah, j'ai juste eu le temps de la voir. Merde. Oh non, 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 je me casse. Je me casse. Est-ce que c'était une bonne idée? What? Il y a quelque chose de pendu là-bas, on dirait une personne. Ouais, en effet. Non! Allez, c'est parti pour le festival.
Putain, mais j'en ai marre. En plus, je me fais avoir. Putain, mais dégueulasse. Ah, fleur de lys. C'est à l'étage apparemment. Ok. On va se débrouiller après. Comment on l'a fait tomber là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cocon, what the fuck? Ah la vache. On peut peut-être que le choper par au-dessus. Alors attends, je viens d'où? Je viens pas de par là. Ça c'est sûr. Là y'a rien. Pas d'autre chemin là. J'ai un petit peu couru comme un dédaraté. Non, y'a rien. Ok. Ça marche. Par contre, ça, c'est... Je sais pas comment... Attends, j'ai regardé. J'ai essayé de voir. Au-dessus. Ah, on peut peut-être... remonter ou... couper la corde, j'en sais rien. Quoi par là? Là, c'est totale découverte. Ah, on revient. Ah, mais j'ai libéré... Ah, mais c'était bloqué. Yes. Prêtresse qui fixe. Bon, là, moi, je l'ai eu. Ok. Donc, on va repartir à l'étage. What? Isoka est de l'autre côté. Yes. T'inquiète, Isoka, dans 5 jours, on arrive. Bientôt. Ce qui invite à rentrer. Oui, qui invite à rentrer où? T'en es où là? Ah, alors est-ce que je la suis? Parce que du coup, on va voir la statue. Alors on va retenter. On va voir ce qui se passe. Parce que la première fois, il s'est rien passé. On va voir. Peut-être que cette fois-ci, il va se passer quelque chose. Qui est pas obligatoire, hein, je pense, hein, parce que là il y avait rien qui me demandait d'aller là, de toute façon. Donc c'est vraiment un truc annexe, je pense. Ah. Yes. Alors, on va checker ça. Qu'est-ce que c'est alors, cet hôtel? Ah, c'est juste pour ça? Non. Une plaque liée et un cahier. Ah! Ah! Donc il y a bien un truc à aller chercher ici. Ok, d'accord. Clé cerisier. C'est un livre blanc. Donc c'est toujours la même prêtresse. À travers leurs entraînements, les prêtresses approchent de la mort. Plus elles avancent et plus elles se perdent. Mais les prêtresses doivent rester fortes. En s'approchant de la mort, il est possible de tout savoir. C'est comme ça que nous sommes capables de regarder les pensées des gens. Nous laissons tout derrière nous, de puissants échos de nos êtres. Et tant que ces échos existent, l'âme ne peut pas continuer son voyage. Une prêtresse doit aider l'âme à passer dans l'autre monde. Elle doit absorber ses dernières pensées, leur faire écho et continuer à les accepter. C'est là le véritable rôle des prêtresses. Salut chef! Bah écoute, ça va, tranquille. On essaye d'avancer projet 05 qui est infini. On doit déjà en être à 12 ou 13 heures de jeu. Et c'est pas la fin. On se rapproche de la fin, mais c'est pas encore fini.
Merde. Photo. Non, tu bouges pas. Voilà. Déjà, tu bouges pas. Je fasse une belle photo. Allez, allez. Merde, je l'ai raté. Mais non. C'est tellement deg. Oh, le bedobla, elle touche à ton cul. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle s'évise derrière moi là. Ouais, bah c'est parti, voilà, elle m'a mouillé. Fais chier. Et rends-moi mes PV. Oh là 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 là. À quoi ça sert putain que je récupère des PV si c'est pour me faire défoncer derrière? Putain, les combats dans 1 mètre carré, ça commence à être chaud. Hein. Ils font mal les fantômes. Comment ça fait mal? Putain, mais sans déconner, je peux rien faire en plus pour esquiver ça. Chaque fois je me fais avoir. Je suis vraiment deg de pas avoir le focus pour combattre. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Putain, elle m'a feinté deux fois. En haut ou en bas? Voilà, bouge pas. Ah, je l'ai battu? Mais est-ce combien de braises? Ouais. J'en ai utilisé une. De toute façon, on est blindé. C'est chaud. Bon, j'ai deux clés. Par contre, les cerisiers, je sais plus où c'était. Hein. Attends, je peux vous montrer parce que je vais regarder la map. Parce que. Attends, c'est où ça? Non, ça, on s'en fout. C'est à gauche ou à droite, non? Non? Ah non. Il y a une porte à ouvrir ici, mais il y en a une autre. Je sais plus où c'est. Je sais pas, on verra après. Ok. Déjà, on va essayer de remonter. Ce serait bien. C'est quoi par ici? Attends, j'ai vérifié. Je sais pas si j'ai tout ramassé.
Alors, c'est parti. Je sais qu'il y a une aile. C'est derrière, ouais. Il y a une... Merde, putain, le con. Putain, je... Il y a une aile. Où on peut... Enfin, il y a une porte bloquée. Déjà, on va checker le... l'hôtel. Il y a peut-être des goodies. Et par contre, l'histoire de la corde avec le cadavre, je sais pas comment faire. Parce que je sais pas où c'est. Type 0, allez hop. Ça, ce sera pour le bonus final. Parce que je l'utiliserai pas. Comme d'hab. Alors ici on s'en fout un petit peu. Est-ce que c'est juste ouvert le truc derrière? Ok. Ok, 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 ok. On va fouiller l'étage. Deuxième étage. Ah merde, non, 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 pas... Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Merde, je suis bloqué. Oui, merci. Ouh, du film 61, merci. Belle lumière bleue venant de l'extérieur brille à travers la fenêtre. Ouais, c'est dommage, on peut pas voir. Ok, Cassus. Alors, au bout du couloir, je crois qu'il y a la porte fermée. Si je me trompe pas. C'est par ici. Ah non, c'était pas là? Non, non, parce qu'on en est revenu dans le couloir principal. Ah non, c'est l'autre couloir. Ah oui, sachant que là il y avait le truc au milieu. Alors attends, je sais plus. Là je suis en train de regarder la map en même temps. D'ailleurs, je pourrais me diriger sur l'écran et regarder la map en même temps. On va déjà aller à l'endroit où je suis censé aller. On va voir après ce qui se passe. Parce que j'ai une clé et j'ai aussi un objet sur un cadavre et je voudrais bien ramasser. Et malheureusement, il faut d'abord passer en hauteur. On va fouiller un petit peu toutes les endroits qu'on peut fouiller. Alors ici, logiquement,
Ouais. On peut pas passer par le pont. On peut pas avoir un truc sur le... Ah! Caméra, merci. Ah si, on voit un objet là qui brille là. Comment on va le chercher? Attends, c'est quelle pièce ça doit? Ah mais c'est la pièce du milieu! Voilà. Il faudrait que j'y aille. Je vais y aller après. Dès qu'on a fini cette aile, je vais y aller. En plus, il y a un objet à ramasser, quoi. Et en fait, c'était dans l'eau tout à l'heure, j'y suis pas allé, j'aurais dû y aller. Petit chargement. Des familles, je le sens mal. D'ailleurs ici, ouais, on peut récupérer l'escalier par ici. Ok, donc ça c'est le lys, c'est pas le cerisier. Cerisier que j'ai chopé après. Oh mon dieu. Il y a quelque chose d'à peine visible sous la surface de l'eau noire dans la boîte. On dirait presque un autre monde. Oh merde! Connard. Allez, boum. Merde, le il continue. Non, ça. Des talismans pendent d'une boîte remplie d'eau, d'eau noire, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais. Alors, c'est ça que je voulais faire au début, c'est à checker ce qu'il y a à l'intérieur. Et ouais. Ouais, c'est craint. Un vieux texte a été laissé sur le sol noirci. Attends, j'ai plus de témoin. Alors, l'ouverture des reliquaires. Celles qui n'ont pas le pouvoir ne seront pas placées dans les reliquaires. Si l'une des faibles est placée à l'intérieur, elle ne survivra pas à la douleur des eaux noires et n'entrera pas dans l'autre monde. Une mort convenable ne pourra être donnée à ces âmes souillées. Ok. Où est-ce que je suis là? Mais ça servait quoi là? Je suis repassé de l'autre côté, il n'y a rien. C'est quoi cette arnaque? Il y a un objet qui me manque, non? Un truc. Un truc que j'ai raté. Hein. Il y avait que ça ici? C'est quoi cette arnaque?
Ok, bon bah cassos, hein. Du coup on va aller de l'autre côté. On va prendre le couloir. On va aller au milieu. Ah oui, c'est un cours intérieur ça. Tac. On passe de l'autre côté. On descend. On va repasser. On va repasser par le cimetière des. Enfin, le cimetière. Oui, c'est un cimetière. De toute façon, c'est des cercueils. Je sais pas comment dire ça autrement. On va repasser par les cercueils. S'il vous plaît, m'ambiancez pas. Pas de prêtresse, s'il vous plaît. Bon. J'ai dit pas de prêtresse, donc bon, ils ont mis un reliquaire. Je peux rien dire. Oh non, ils font chier. Merde! Je vais t'aimer. Un petit regard fatal, allez, 500 de bonus. Non, 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 pas ça. Ça, oui. Par contre, je suis comment au niveau. Ah non, je vais être juste. Ah, j'ai pas encore assez. 36 000, ok. Il manque 4 000 points. Ici et du coup c'est la dernière porte normalement. Ah, il faut deux clés. Ah merde, d'une lune et d'un cerisier. Shit. Ah merde, la lune elle est où? Oh les embrouilles. Ah mais attends, mais j'ai pas continué par là. J'ai quoi par là? Ah non, j'ai pas continué par là. Ok. Bon bah la suite est par là apparemment. Ah, type 24. C'est inespéré ça. Ah voilà. Yes, la clé est là. Ok. Ah d'accord, bah j'ai pas compris. Alors attends, par contre, il y a un cadeau au sol. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Ah merde, putain. C'est bon, je l'ai. Ah, objectif 0. Un objectif qui inflige plus de dégâts aussi lorsque votre énergie est basse. Mais c'est dangereux ça. Attendez, c'est dangereux ce item. Objectif
objectif force, destruction 0. Fait passer l'augmentation des dégâts en fonction des blessures reçues. x2 à x2,25. Ok. Pourquoi pas, hein. C'est un peu suicidaire hein, comme dans tout le monde. A mon avis, il doit y avoir des. Si ça existe, le speedrun de jeu, à mon avis, les mecs, ils ont 2 PV. Et ils courent partout et. Ils ont cette lentille en lui. Il y a quelque chose qui brille sur le corps ou sur ce qui est pendu à l'intérieur du puits, quoi que ce soit. Je peux peut-être le faire descendre. Ah! Il est desserré la corde. Nice. Alors maintenant, il va falloir aller le chercher. Et là, ça va être. Ça va pas être la même histoire. Bon, en tout cas, c'est la dernière clé, logiquement. Ça, c'est cool. D'ailleurs, là, j'ai 36 000 points. Ah merde. Toujours à 36 000. C'est les mecs, ils ont quand même un puits à l'intérieur de la maison. C'est pas bizarre. Ah si, je suis obligé. Hop. Quoi ? Oh non ! Oh non ! Je refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais je vois rien. C'est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. Vas-y, viens là. Non, je te chope. Hein. Quoi? Enfin, j'ai déjà mis un truc de force et elle a résisté quoi. C'est la misère. Et c'est intéressant parce que du coup, je me suis dit comment on va faire pour aller au Tori justement, qui est sur le lac. Et en fait, il fallait passer par là quoi. D'où le nom de transition. Hôtel de la transition. Une grande clé. Ces gravures me font penser aux boîtes noires. Mais non, mais tu plaisantes! Mais non. C'est pas fini. Faut ouvrir la boîte noire de l'entrée. Mais non, mais c'est pas possible. Ok. Alors, y'a quoi dans la boîte noire? Ah! D'accord. Ah, c'est le même temple d'ailleurs. Même statuette. Petite boîte se trouve devant la statue accroupie, elle contient une plaque. Yes, on a la lune. Les statues accroupies, elles doivent représenter 3 prêtresses. Ah. J'ai désormais la clé de la lune et celle du cerisier. Ouais, ouais, je sais, je sais. T'inquiète, le game.
Alors, un vieux texte sur l'hôtel, j'arrive à déchiffrer le mot regard. Le tabou du regard. Regarder dans l'âme d'une personne signifie absorber leurs pensées, leurs secrets. Les faibles le font en touchant, mais les fortes le font d'un coup d'œil, d'un véritable regard. Quelle qu'elle soit la manière employée, le résultat sera le même. C'est un pouvoir de l'autre monde. En se trempant dans les eaux de la montagne, le cœur fond et se mêle à l'eau, rendant plus forte celle qui regarde. Se rapprocher de la mort rend aussi plus fort et permet d'absorber davantage de pensées, davantage de secrets. Des pensées fortes créent des piliers forts. Les pensées sont scellées avec le pilier à l'intérieur du reliquaire. Ouvrir la boîte et laisser déborder ses pensées provoquerait un désastre, c'est interdit. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plusieurs reliquaires qui sont déjà ouverts. Donc ça craint grave. Paf, paf, paf. Vite. Vite! Vite! Hein? Dernière statuette. Ah! Du coup, il y a le portail ouvert. Il y a Waltori. Yes. Wow! À trois prêtresses, la statue de la gardienne de l'eau s'est tournée vers l'extérieur. C'est là que se trouve le portail menant au lac. Peut-être qu'il est ouvert maintenant. Un vieux texte était laissé devant la statue au coin du lac. Autrefois, les eaux noires débordèrent. Mais trois puissants piliers se jetèrent à l'eau et la source de l'ombre fut rassasiée. Les trois piliers finirent par succomber aux ténèbres. Ils perdurent sous la forme de statues. Ah d'accord, dans l'hôtel de la transition. Les trois piliers s'effondrèrent et cinq autres prirent leur place. Le mont Ikami tout entier devint une barrière, une que les eaux noires ne pouvaient abattre. Aussi longtemps que le mont Ikami s'élèvera, les eaux noires ne déborderont plus. C'est un truc de ouf cette histoire, parce que ça veut dire que si la montagne s'effondre, le monde s'effondre avec. Le monde des vivants. Le cri de la montagne. Les prêtresses dans les eaux noires, dans des reliquaires en tant que piliers. Des prêtresses devenues piliers d'ormes, ni vivantes ni mortes, revivant la douleur des autres dans un cycle sans fin. Plus le pilier est fort, plus grande est la douleur qu'il endure. Quand la douleur est trop forte, la boîte s'ouvre et le pilier fond dans les eaux noires. Cela affaiblit la protection contre la source de l'ombre et la montagne en cri de douleur. Un cri comme né de la douleur des prêtresses, un signe des calamités. C'est l'apocalypse quand même, hein, si c'est cette histoire de nous défendre. C'est assez hallucinant. Allez, type 0. Bon, là, théoriquement, on pourrait prendre la barque. Est-ce que le jeu va me laisser faire? Ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est ouvert. Yes. Ça va être trop facile. C'est vraiment très efficace hein, le jeu. Non oui. Ok, voilà.
Respecter mon autorité. Ah, je suis à 40 000 par contre, ça c'est pas mal. Du coup, on va augmenter la caméra. Voilà. Bah, les photos réagissent quelque chose. Mais non, mais t'es sérieux là? Mais est-ce que j'ai le droit d'avancer dans le jeu ou pas? Non, c'est interdit. Ou pas. C'est comme je l'ai balancé de l'autre côté de la map, je suis pas sûr que c'est encore là. Ah! Et ben voilà. Le portail est ouvert. Et bon, on va grimper dans la barque. Bon, ça sent le non-retour quand même, cette histoire. Bienvenue en enfer. Et là c'est pas fini je sens. Et non. Ça s'arrête jamais. Mais là à mon avis on est vraiment dans la dernière hôtel. Hein. Allez du 90, hop là. Non ça va. Je vais regarder mes points de vie. Ça craint. On peut pas y aller là? Il est trop dans le plancher. Mais je ne peux pas voir le fond du lac. Ah putain la vache. C'est Krenos. Jack, qui construit un temple sur l'eau quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah.
Pas beaucoup de fantômes hein, pour me choper la main hein, dernièrement. Ah ouais. Putain, c'est quoi ce bordel? Le temple est complètement détruit. Ça ressemble à rien quoi. Je sais même plus où je suis. Bon, je follow. Voilà, on va par là. Hein. Je suis le mouvement. Je sais même pas comment ça tient, c'est fantastique. C'est quand même une construction sur un lac, hein. Pas de problème. Il y a un petit hôtel submergé dans l'eau derrière les clôtures cassées. Je sais qu'il y a un objet là-bas, mais... Attends. Ouais, vous voyez, checker d'abord. Sur le côté. Ah ouais, ça fait déjà quelques cassettes de type 0 là quand même. Le découvert s'est effondré, la majeure partie de la moitié du découvert s'est écroulé. Ok. Bon bah cassos hein. Pièce, hein. Je suis pas rassuré. Pas du tout. Ah. Je sais pas pourquoi je sens que c'est Hisoka ici, non? Là-dedans, non? C'est possible. Je vois tout de suite. Ah, c'est le miroir qu'on voyait. Il y a un grand. Ah non, c'est un tambour. Un grand tambour taiko. Il devait être utilisé durant le truc. Alors que ça, on peut pas l'ouvrir. Ok, d'accord. J'ai pas fouillé tout de suite. Je pense que c'est Hisoka. Pas le fouiller tout de suite. C'est un peu fouillé l'extérieur là. Est-ce qu'il y a des goodies? J'en suis sûr. Une petite pierre miroir. Ok, avec ça. On fuit de l'autre côté. Ah ouais, c'est vraiment le bordel. Hein. Ok, bon bah c'est parti. On va ouvrir le le cercueil. En plus, c'est un cercueil, c'est pas un aspect de boîte. Le reliquaire. C'est-à-dire qu'Hisoka, si elle se trouve dedans, c'est bizarre. Ça voudrait dire qu'ils ont foutu Kamari.
Merde. Oh merde. Perdu. Bon bah désolé Soka, va falloir taper. caméra. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon de toute façon on va voir un peu comment ça se déroule le combat. Je me mets direct en 61 quand même. Ah raté. Ah shit. Et pourtant j'ai le max de chargement. C'est ouf hein. Je pense que je vais alterner avec le 90 pour lui faire beaucoup de mal. Non! Oh non, je l'ai claqué pour rien! Merde, je suis deg. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle est invincible! J'ai pas de point de fixation. Ah, c'est quoi ça?
laisse-moi une occasion là. Laisse-moi une occasion de te faire très mal. Ah, ça a pas marché! Ah, ça a pas marché parce que ça sert à rien. Ah putain! Ah ouais! Donc quand c'est comme ça, tu peux rien faire. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, madame! Merde. Merde, je l'avais. Oh non, elle va repartir dans son cycle invincible. Ah non. Ça devait faire très mal. C'est un vrai combat de boss. Hein. Touchette. C'est une personne qu'elle n'avait pas pu sauver. Retourner à la boutique, ok. Ah, mais un merci quand même. Mais un merci quand même. Cassons-nous. Tu m'étonnes. Ce qui m'embête, c'est que Miyu a présagé qu'on s'en sortira pas. Donc, Oh non, il se met à pleuvoir, shit. Vite à l'abri. Ah, ça redescend. Ça redescend qu'on est à l'abri. Ouais, c'est un peu long quand même. Hein. Bon, de toute façon, on va être trempé. Hein. Non, c'est pas ici. Attends, je le vois. Ah, c'est pas là normalement.
Cassos, vite. On a réussi. Incroyable.気づかなかったような小さなことが大切なきっかけになることがあるんですね。行くのか残るのか、もうしばらくここにいてもいいですか。 Yuri monta à bord de la barque de passage et fut emmené à l'hôtel sur l'eau, destination finale des prêtresses destinées à devenir des piliers. Yuri trouva Hisoka dans l'hôtel et la ramena en sécurité à la boutique d'antiquité. Elle devint plus proche que jamais. Ah, j'ai qu'un niveau 1. Dommage. Nice.